Hey, salut les amis, c'est Aza, étape numéro 19 entre Bourdoisan et le Grand Bornand. Au lendemain de l'Alpe d'Huez qu'on a monté deux fois, on va se retrouver avec deux hors catégorie, deux secondes catégories et un final assez énorme avec un col de première catégorie. On a une grosse étape à jouer à fond les ballons. On va y aller à fond les amis et je pense que je vais tout tenter dans les trois derniers cols. Je vais essayer de reprendre un maximum de temps et pourquoi pas aller chercher la victoire, du moins d'être dans les 5 premiers de l'étape avec les favoris. Tout casser pour remonter au classement un maximum parce que demain c'est la dernière étape de montagne avant les Champs-Élysées, il va falloir faire fort très fort. C'est parti. Allez les amis, une étape dantesque nous attend aujourd'hui. On commence avec le col hors catégorie, le Glandon, et le second c'est le col de Madeleine, pour finir avec trois cols seconde catégorie et première catégorie. Ne vous fiez pas au col de deuxième ou première, c'est des cols assez difficiles, c'est assez très dur, très vallonné. Vraiment très casse-pattes comme on dit dans le jargon et je pense qu'avoir des gros dégâts aujourd'hui ça risque de faire très mal. Voilà, ça va faire très mal, ça part d'entrée. Est-ce que je vais lancer un coureur ou pas? Je vais peut-être lancer Arthur Vichot aujourd'hui. Ouais, c'est parti, comme ça il va essayer de prendre l'échappée du jour. Ça risque de prendre pas mal de temps, hein, pas mal d'avance à mon avis, donc du coup il va peut-être jouer la sentinelle. Voilà, aujourd'hui je joue la gagne, franchement je vais jouer la gagne avec Thibaut Pinot. On va essayer de pas trop se dévoiler dans les hors catégories, sans trop loin de l'arrivée. Dans les trois derniers cols, on va essayer de lâcher les chevaux pour pourquoi pas aller chercher la victoire d'étape et remonter, faire une grosse montée, remonter au classement. Car là, il va y avoir des dégâts, mais vraiment des dégâts de fou furieux à coup sûr. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Voilà, mes coureurs sont bien placés dans le peloton. Arthur Vichot est parti devant. On va voir que ça monte d'entrée de jeu. Le col du Glandon, voilà, hors catégorie de fou furieux, on est à 25 km du sommet, c'est un col très long, je pense qu'il va y avoir des lâchés d'entrée de jeu. Là. Alors Vichot, Andy Schleck est parti apparemment, c'est Zubeldia là, avec Michael Nieve, je crois qu'Andy Schleck devant, voilà, le peloton ne les a pas laissés partir, dommage. J'aurais tenté avec Arthur Vichot. Arthur Pinot, Vichot est là. 10,7%. On relance l'allure en tête de course. Je vais essayer de repartir, je pense, avec eux. Est-ce qu'on repart ou pas? Ou je le garde avec moi. On va rester comme ça. Tant pis, on va laisser partir les échappés. Je vais pas griller tous mes jokers. On va les faire rouler de toute façon, mes coureurs plus tard. Voilà. Allez, on se met sur Thibaut Pinot. Voilà, l'échappée est partie. Je pense que là, le peloton va pas les reprendre. Ils vont laisser couler un petit peu là. Franchement, l'équipe de Christopher Froome va laisser couler. Et je pense que là, les échappées vont prendre un temps fou d'avance. Ça va être il y a Roland. Ah, il y a Roland quand même. Capecchi, Martin. Ah, il y a des bons coureurs dedans. C'est peut-être pour ça que ça essaie de partir. Andy Schleck aussi. Il part à l'assaut là. Ça part pas fort du tout, hein. C'est vraiment un gros pourcentage. Un leader vient de se faire décrocher. Il se fait lâcher derrière le peloton. Il n'est pas dans un grand jour. Ok. Bon, Van Gardon est là, Rodriguez est là. Oula, regardez, il y a un trou déjà, une jonction. Oh là, tous les leaders sont là. Oh là. Rodriguez. Oh, il y a des trous, regardez. Je vais arrêter un peu, hein. Voilà, on peut voir les trous qu'il y a. Ça monte fort, ça montre que ça monte fort et il y en a qui ont passé une mauvaise journée à coup sûr. Moi je suis là, et regardez, il y a Froome qui essaye de partir là avec ses coéquipiers apparemment. Du moins ils ont pas fait gaffe et ça fait un petit trou derrière. Je pense qu'on va combler cela. Hein. Voilà. Alors c'est parti. Non ça va. En fait ils ont juste accéléré et ça a créé une petite cassure mais de rien du tout. Les échappés sont devant, ça part pas du tout. Hein. Pour l'instant, c'est l'auto qui roule pour Vandenbroek. Parce que Vandenbroek est toujours là dans la course, hein, et dans les premiers d'ailleurs. Alors que sur le tour réel, il a abandonné. Il avait été pris dans une chute, il me semble, en première semaine du tour. Très bon coureur. Je voyais sur le podium. Moi. Je voyais sur le podium cette année, et malheureusement, il a abandonné. Jürgen Vandenbroek de l'équipe Lotto. Quatrième l'année dernière du Tour de France. Bon, on est là. Oh, en descente, ça part là. Le maillot jaune part en descente.
Ouais, du moins ça roule. Ouf, il est lâché. Federico est plus là. J'ai déjà découvert qu'ils sont plus là. Geniez est juste derrière. C'est bon, il est là. Il me reste qui? Janson, Geniez. Tout le reste sont plus là. Ok. Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de Ouais, on a 10%. rattrapé le maillot jaune. Ils ont juste attaqué la descente un peu plus fort que nous. 11,5% de dénivelé. Le col du Glandon. Vraiment un haut lieu du Tour de France. Une grosse côte, un gros col. Qui est là, franchement, est pas très bien placé quand même. C'est vraiment dès le départ de l'étape. Vous pouvez voir que ça fait quand même des dégâts. Ça avance pas du tout là. Là, on a ralenti là. On est à 8 km/h là. Federico Vécchio, Roy. Sont tous là. Pas sûr qu'ils reviennent parce que si ça accélère par la suite. Bon, Federico va chercher les bidons. On va profiter d'un moment d'accalmie pour récupérer les bidons pour le ravitaillement. Janson, Pinot, Froome est là. Qui a Van den Broek, qui a Contador. Ça, c'est les deux Schleck à mon avis. Vécchio, Federico se laisse couler pour le ravitaillement. On n'est pas arrivé en bas encore. Hein. Bon, il reste 11 km. Ah si, il a quand même pris le Les ravitaillement. coureurs ont Il a ralenti le pris tempo. entre Il les va se deux passer pelotons. quelque chose. Ça marche, c'est cool. Bon, maintenant, il faut qu'il me le remonte. À son rythme, à son train. Voilà, là, il remonte, regardez. Ne pas se mettre dans le rouge. Et ça, ils le font bien. Franchement, l'IA le fait très bien. Ça remonte au fur et à mesure. Ouais, je vais avoir besoin de tous mes coureurs de toute façon si je veux gagner l'étape. Hein. Si je veux faire quelque chose aujourd'hui. Costa attaque, Vaucler, Joaquin Rodriguez, Martin Une encore, échappée Daniel est en train Martin. de se créer. Oh, Rodriguez s'en va. L'allure est visiblement trop rapide pour Il y a certains Pierre Rolland coureurs. qui arrive là. Ejdal, vainqueur du Tour d'Italie en 2012. 2011. Non, 2012, pardon. Ryder Ejdal, le Canadien. Voilà, ça voit que ça part. Ça ralentit assez. Ça ralentit pour que tout le monde suit. Le C'est rythme est pas un plutôt gros rythme calme pour sur cette l'instant. portion. Ouais, là, Les comme il le coureurs doivent dit, c'est pas un garder gros sous la rythme. pédale. Ça Ouh, promet une belle Federico est fin de mal barré là. course. Il pourra pas redonner les bidons aux autres coureurs. Mais c'est pas grave, on se ravitaillera en descente. Ah ouais, ça va un peu plus vite. Parce qu'il y a quand même Joaquin Rodriguez qui s'en va avec Daniel Martin aussi. Donc du coup, ça roule un peu fort. Un peu plus fort, du moins. On va pas le laisser partir comme ça. Oh là, les deux Clercq. Vichot, Auroi sont lâchés. Attaquant solitaire en Ok. tête du peloton. Le groupe d'échappée vient d'abdiquer. Le peloton ne leur a laissé aucune C'est chance. Uran qui attaque. Non, il a pas attaqué en fait. Il les a récupérés surtout. En tout cas, je suis content. Alexandre Genies fait une bonne fin de Tour de France. Il est assez en forme en ce moment. Je vais pouvoir compter sur lui aujourd'hui, je pense aussi. Ouh, il y a des cassures là. Il est sorti du peloton comme une balle. Federico s'accroche. Il Certains faudrait qu'il directeurs bascule sportifs ne avec devraient le pas apprécier peloton là. l'échappée du jour. Au vu de la À la montée en rythme descente. du peloton. Comme ça, il pourra m'aider un peu plus loin. Même si le col de Madeleine va faire très mal après. Hein. Très très dur aussi. Voilà, là on arrive au sommet. C'est la descente, il ne s'agit plus maintenant de rater sa trajectoire. Allez. On va penser au ravitaillement. Federico est où? Ah, tous les coureurs sont là. Ok. Non. Ah, il est pas là. Bah, il est où? Ah, il est là. Où il est en retard. Ok. Bon, avec son génie, il va falloir ravitailler tout le monde là. C'est le moment. Échappée terminée, le Vu que c'est peloton lui ne qui est leur a avec laissé nous. aucune C'est chance. pas L'allure Janson est ni moins Pinot qui va rapide, chercher les bidons. c'est peut-être un signe de On ne se fatigue. fatiguera pas aujourd'hui. Sauf sur la fin. Voilà. Là, c'est la descente. Il se met sur le côté. Il se laisse dépasser pour récupérer le ravitaillement. Alors, ça va être une descente très rapide. Vous pouvez voir qu'on est déjà à 40 km du prochain sommet. Ça va aller vite. Hein. Ça va aller vite. Voilà, tout le monde va revenir.
dans la descente. Ouais, tout le monde se ravitaille. Pour l'instant, la sélection s'opère par l'arrière. La sélection se fait par l'arrière et les plus faibles se font lâcher. Ah ouais, ça on l'a vu directement dès le début du col. Franchement, dès le début de l'étape, première montée 10%, 11%, il y avait des cassures dans tous les sens. Il y en a qui vont mettre Radio du Tour temps nous a annoncé une à chute, arriver. Mais le coureur semble en mesure Mais de Derrel, repartir. Sojasen Le est à tempo terre. s'est ralenti. Peut-être que quelque chose se prépare. Ok. Bon, ça revient au fur et à mesure. La personne roule en descente de toute façon, c'est en train de revenir. C'est bon, il y avait Martine. Amador. Sorensen, Coren. Attention à cette descente, ce n'est pas le moment de chuter. Non, ok. Voilà, là, ça va temporiser un petit peu. Avant d'attaquer le lourd, le très lourd, là. Parce qu'après la Côte d'Amalène, il y a une longue descente. Pour ensuite remonter petit à petit sur trois Le cols rythme est de plutôt plus en plus longs. modéré, les coureurs doivent Sans s'économiser répit, avant parce les qu'il y a la descente, hostilités. ça remonte, c'est la descente, ça remonte. Attention, La regardez, il est en fin train de de l'étape va partir. être phénoménale. Genèse a bien suivi. Federico de Greiff, voilà, tous mes coureurs sont là, et Federico qui est bien revenu. D'ailleurs dans le peloton il y a qui Jansson, Pinot, Federico, Genèse, et c'est tout. Le reste sont lâchés. Oh, petit bug de la voiture. Oh, ça attaque. C'est qui attaque là? Costa. Il est parti, tout seul. Faria da Costa. Ah, qui c'est? Schleck. Un Schleck va suivre, c'est Andy. Andy Schleck attaque. Il attaque maintenant. Il est un peu fou, Andy Schleck. Bon, il est loin au classement. Hein. Il est juste derrière moi au classement. Certaines équipes il ont tente, pris l'allure du peloton je en devrais main. peut-être faire Ils ne pareil, doivent mais pas avoir de coéquipiers placés dans je peux faire l'échappée. jouer Fin de l'échappée. Le groupe la vient gagne sur d'être la fin, repris. quitte à faire accélérer mon équipe pour faire des cassures dans tous les sens d'un peloton et attaquer et finir pourquoi pas avec Un les leaders ou coureur même devant. essaye actuellement de fausser C'est compagnie Pierre au Rolland ça? peloton. Pierre Rolland attaque, ça y est, le quad de Madeleine. Allez, c'est parti. Ah, ça Un va rouler coureur fort tente là. sa chance en solitaire. Ouais, on peut voir que j'ai baissé la barre de force de Thibaut Pinot. Il était à 70 comme tous les coureurs. J'ai mis à 59. On sait faire le minimum d'efforts. Les coureurs Ce sera franchissent parfait un pour la passage fin de l'étape. délicat avec des Si. pourcentages supérieurs à Et là, on 10%. remontera en fin de mesure. Pourquoi pas faire plusieurs attaques si ça passe pas. Bon, Pierre Rolland n'ira pas loin, on le rattrape déjà. Federico redescend au fur et à mesure, il ne va pas tenir le choc. Vient de reprendre les il y a Perrault qui est là. Jansson qui reprend. Voilà. Je vais faire rouler un peu Jansson. On va leur faire rouler de plus en plus fort et on va tester un peu les coureurs. Voir un peu la résistance des favoris. Peut-être que j'arriverai à en lâcher, on va voir. On va le faire rouler au fur et à mesure. Vous allez voir. Les visages se crispent à l'arrière du peloton. Voilà, ça on ne compte plus les lâcher. La vitesse du peloton s'est quelque peu ralentie. Voilà, ça coupe dans tous les sens, ça, la sélection se fait à l'arrière. Une accélération fait des dégâts. On va monter à 78.
Oh, il y a déjà plus de monde. Ça y est, ça a lâché. Kirienka, un équipier de front qui est lâché déjà. Accélération de Ryder Esjedal. Esjedal attaque. On va voir un peu. On va être trop forcé. Il ira pas loin, je pense. Ouf, Rockin' Rodriguez est bien parti là par contre. Un coureur tente Ouh, sa je l'ai pas chance vu en arriver. solitaire. Federico. Il est parti fort. Et déjà revenu sur Ajdal. Voilà. Il n'est pas les seuls à rouler, ça c'est bien. Voilà. J'avais mis un petit Bopino à 75 exprès pour voir si ça faisait descendre sa barre. Ça n'a pas trop fait descendre, ça va. Du coup, on va le remettre à 61. Cette Et côte Jansson, présente voilà. de On a roulé un redoutables petit peu, pourcentages. ça fait des cassures quand même. Vous pouvez voir qu'en roulant un petit peu plus fort, on peut créer des écarts et disloquer le peloton. Bon, ça n'a pas lâché de favori apparemment, mais ça fait quelques dégâts. Ouais, il reste quoi, une quarantaine de coureurs. On va voir ça. Alexandre Genèse est là, on va faire rouler Alexandre Genèse maintenant. L'échappée du jour quitte à le sacrifier, c'est pas monde. Grave. J'ai encore Jansson avec moi. Largement augmenté son rythme. Bon, c'est pas grave, on va l'envoyer au ravitaillement. Oh, faut que nous on est à la fin là. Il reste 6 km, on va pas le perdre maintenant. Pas de bêtises, plus d'une je vais pas faire de quart. bêtises, hein. Voilà. Fait son chemin. Donc du coup, Genèse, tu remontes. Ejdal Rodriguez toujours devant. Ouais, ils vont peut-être aller loin comme ça là, ils sont bien partis. Voilà, Alexandre Genèse est remonté. Et on va le faire rouler. Voilà, on va faire un gros tempo les amis. Dans les 5 derniers kilomètres, on va essayer de rouler à fort bloc pour voir un peu ce que ça va donner. On va étirer ce peloton, on va l'étirer. Allez go. Thibaut Pinot est tranquille. Chanson aussi. Le Allez, on va augmenter le rythme. Fort. On ne devrait pas trop voir d'attaque dans les moments à venir. Peloton est très rapide, ouais. Ça accélère un petit peu, c'est clair et net. Il y a quand même 2,08 pour les deux échappés. Hein. Oh, Rodriguez est parti fort. Hein. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Plus de 2 minutes d'écart au dernier pointage. Bon. On va lever le pied, ça ne sert à rien. On voit Rodriguez là-haut. On est juste derrière. Bon, du coup, j'aurai 3 coureurs avec moi pour les 3 dernières ascensions. Il y aura peut-être Federico qui va remonter aussi. Gadrey va aller chercher des points. Si Federico peut revenir, ce sera parfait. Mais bon, il va être vite lâché par la suite. Hein. S'il est lâché là, il sera lâché après. Mais il vaut mieux avoir 4 coureurs dans la plaine que 3 coureurs avec nous. Du moins 2 coureurs avec moi parce que moi je vais gérer que Thibaut Pinot. Les leaders se désintéressent de l'échappée du jour. Ouais. Il y en a qui sont très loin. Ouf. Federico est là. Ouais, il est lâché. 1 km. Lâché. Il est à peine lâché, c'est bon. Voilà. On va pouvoir se ravitailler maintenant. Parce que là, il faut vraiment se ravitailler. Bien dans la descente pour attaquer on le reste à fond. Descente, après. Les coureurs vont pouvoir récupérer. Voilà, là il se laisse passer. Tu vas descendre doucement à l'arrière du groupe. Bah, Federico, t'es pas là. Winning, Spilak. Federico était derrière. Il est encore dans la montée. Il y en a qui vont être à la ramasse. Et quand je dis à la ramasse, ça va être à la ramasse. Quoi. Il y aura peut-être des disqualifiés à mon avis, autant. Des hors délai à mon avis. Ça risque fort d'être ça aujourd'hui. Voilà, là on est bien.
Attendez, j'avance mon fauteuil, désolé. Voilà. Descente pas palpitante. Personne ne prend des risques. On remonte les favoris au fur et à mesure, apparemment. Nous sommes déjà à la mi-parcours. Mi-parcours. Ok. Voilà, génial, c'est revenu pour le ravitaillement. Voilà, on est au milieu de la descente. Je suis quatrième au classement des jeunes. Vous pouvez Pour voir l'instant, toujours. les coureurs Ça, c'est s'économisent très un bien. peu. Objectif aussi à la fin de la semaine pour la fin du Tour de France. Trois, dans les trois premiers du maillot blanc. Pour le maillot blanc, ce serait pas mal. Mais aujourd'hui, il va falloir que je fasse quelque chose parce que là, si je veux remonter, je suis 30e au classement. Hein. Alors, je suis 30e à 22 minutes. Hein. Je suis à 10 minutes du 10e. Donc, il va falloir faire quelque chose pour revenir. Début de la Faire descente. très très Les fort coureurs pour peuvent tenter respirer, de mais remonter doivent rester un maximum de vigilants. places quoi. Et pourquoi pas se rapprocher de la 10e place. C'était mon objectif, il va être très très dur à prendre, mais bon, je suis peut-être pas dans les 10, c'est certain. Même 15e je prends. Voilà, 15e je prends. Ce sera une bonne fin de Tour de France si je finis dans les 15 premiers quoi. Radio Tour nous signale une crevaison. Le Kaizen a crevé de la roue avant. Waouh. C'est pas grave. Oula, ceux qui mènent le train ne vont pas se faire que des Ouais, amis. le peloton roule plus vite là. Ça roule fort. Le peloton semble avoir réagi et reprend du terrain sur l'échappée. Ah, Federico est revenu. Une très bonne nouvelle pour moi. Il va falloir qu'il se refasse un peu la cerise. Il est fou, non, il est HS. Vous pouvez voir sa barre verte et sa barre jaune sont HS. Pof, il ira pas loin. Il va pas aller loin. Avec San Genèse, il va falloir que je me fasse rouler un maximum. Voilà, on va le faire rouler maintenant. Voilà. On va le faire rouler maintenant dans la plaine. Et après, ce sera mon tour de jouer. Je vais peut-être attaquer d'entrée de jeu, on va voir. On va voir un peu comment ça se passe dans les montées, de toute façon. Je vais calquer ma course sur les leaders. Ah, Bonnet. Ouf. Bonnet très loin. Bon, je suis seul à rouler. Aucune autre équipe qui roule pour l'instant. On n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux du tout. Ça commence à monter. Là, c'est une petite bosse. C'est pas les trois cols. C'est vraiment une toute petite bosse pour redescendre ensuite. Alors, tout d'abord, on va arriver au sprint intermédiaire. Allez savoir pourquoi il est placé ici. Aucune idée. Il n'y a aucun sprinter. Peut-être un par-ci par-là, je sais pas. Peut-être. Il y aura pas Matuga, je pense pas. Il y aura peut-être Boissenhagen. Il y Le aura peloton peut-être augmente son allure. Sagan. Certaines équipes ne doivent pas On va apprécier voir. l'échappée du jour. Il viendrait toujours en chasse-patate. Rodriguez, Ejdal en tête. Bon, on est loin. On va revenir sur Gadré. L'équipe Astana commence à rouler avec moi. Quand même Rodriguez en tête, hein. Alors donc du coup, pas laisser trop partir. Joaquin Rodriguez, vainqueur du sprint intermédiaire. Un grimpeur qui gagne un sprint. Chapeau. On va un peu ces sprinteurs là. On va peut-être prendre quelques points par-ci par-là. On est à 2 km du sprint. Toujours pas de sprinter en vue. Ah, Boissenhagen. Voilà, au moins lui il était là. Le Apparemment rythme il est seul. imposé est Ouais, vraiment soutenu. Il va certainement y avoir des dégâts. c'est pas un sprinter réellement, mais On attaque le dernier tiers de la il sprinte course. Ce n'est bien, plus il le grimpe moment de quitter l'écran bien. des yeux. Il sait tout faire ce Boissenhagen. Voilà. Là. Les choses sérieuses vont commencer. Allez, on monte fort maintenant. Vous pouvez voir, j'ai monté à 79 avec San Genèse.
prends des gros relais, mon petit. On va essayer d'éclabousser cette étape. Allez. Faut faire mal d'entrée là. Après une descente, très très dur de se remettre dans le bain d'une montée. Petit bout là. Allez, mon petit. Oh, ça monte fort. Ça monte assez fort. Il va y avoir des dégâts. Le rythme imposé semble trop élevé pour beaucoup. Ouh là, de oui, ça commence à péter derrière. Normal, normal. L'échappée du jour ne là, le virage, on a 6-7 à mon avis. Le ouais, même 8. Largement augmenté son 8%. Rythme. Là, on est à 7%, ouais. C'est fort, fort, fort. Hein. On a 5 km du sommet. Alors, on rattrape Jean Gadré. Oh, ça explose derrière. Ouf. Surtout qu'après, il y a une petite descente et ça remonte de suite. Hein. Il y a 64 km. Oh, Genesi, il bloque. J'ai bien fait rouler. Je suis content, il a bien tenu là. Les leaders ne bougent pas, donc je vais pas bouger. On verra peut-être par la suite. Ok, ne regrette pas santé de grimpeur. Ouais, bon, c'est certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Bonnet très loin. Voilà. Attention, il y a Froome qui est très bien placé là. Bon, ça va pas attaquer, ça va pas attaquer. Par contre, moi, il va falloir que je tente quelque chose. Est-ce que je vais attendre la montée finale? Elle est assez longue quand même, elle peut faire des dégâts. Est-ce que j'ai pas intérêt à attaquer de suite? Je sais pas. On va voir ça. Mais je vais tenter quelque chose, c'est sûr. Qui passe maintenant à l'offensive. Attaque de Brajkovic, il est juste devant, il ira peut-être pas loin parce que là ça roule fort. Janets Brajkovic. Perro là, tout le monde est là. Rodriguez, Ejdal sont réunis. Et nous derrière, ouf la Movistar. Le tempo de la Movistar, ça va très vite là. Ouh, ça va vite, ça va vite. Genèse est loin, mais il ira vite ailleurs. Il va pouvoir revenir après. Allez, Alexandre, à toi de ramener les bidons maintenant. Vite, 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 vite. Voilà, ça remonte ici. Allez, on passe du 0, moins 0,9 à 8%, 9%. Voilà, Pinot et Janson sont bien placés. On n'est plus que 25-30 coureurs. Allez, Alexandre, allez. Cunego remonte. Attention, accélération de Gadret. Il est où, Alexandre Genèse? Il est où? Oh là, il est loin. Il est devant, là. Ouf, il remonte en pas. Retrouve Brajkovic à nouveau en contre-attaque. Les bidons, ça peut tenir. Il n'y a pas le choix, je pense. Pas le choix, on va tenir comme ça. On s'en ravitaillera juste après cette montée pour attaquer la côte finale. Alexandre Genèse, à part si ça temporise un petit peu. C'est sur de tels chacun a envoyé Arnaud Johnson. On est en bas du groupe, alors faut surveiller. Moi je vais surveiller pendant ce temps. Johnson a récupéré un bidon. Ah, c'est bon, il va pouvoir le remonter là. Allez, allez. Mon petit Popino il remonte tout seul. On annonce la chute d'un coureur. Ouais, Janssen, c'est bon. Chute de Hermans. Ouais, c'est pas grave. Le rythme imposé semble trop élevé. Ouais, on va le faire remonter un petit peu, petit Popino. Bon, il n'est pas nombreux là. Ouf, Janssen, il ne pourra pas remonter là non plus. Oh, c'est pas grave, il reste moins de 2 km. On ravitaillera Thibaut Pinot en descente.
Voilà. Voilà, très bien placé. Il a l'air assez facile, Thibaut Pinot, pour l'instant. Kreuziger a lâché. Oula! Mollet m'a lâché. Horner. Schleck lâché. Ouf. Kieselowski, Janson, ouais, Roche. Ouh, il y a des dégâts là. Allez, on va ravitailler. Allez, on n'est plus qu'une dizaine. Hein. 3, 6, 9, 12, 15, 19. Voilà, le ravitaillement est OK. Il y a une petite côte là pour redescendre. Et ensuite remonter un tout petit peu, redescendre et remonter. Est-ce que Arnold Johnson va revenir? Là, Arnold Johnson, il est pas très bien. Hein. Ah, il reviendra pas. Rajkovic non plus, Nieve non plus. Majka, Mollema. Il y a Mollema. Voilà, la victoire risque de se jouer entre ce groupe-là. Il y a Van Garderen, Contador bien entendu, Froome, il y a peut-être Cadel Evans aussi. John Cadré, Jean-Christophe Pérou sont là. Igor Anton, certainement. Voilà là. Pas de bêtises. Pas de bêtises, on est très bien. Là, je vais bloquer Froome. Il s'est mis Damaro. Il y a Martine. Il y a Andy Schleck. C'est Frank Schleck qui est lâché? Ouais, Frank Schleck, 4e du classement, s'il est lâché. Ça peut le faire. Je crois que c'est un échec qui est là, ouais. Bon, les amis, ça remonte. C'est là que tout va se jouer sur cette étape-là. Fuglsang, Froome. J'ai pas vu Contador, il est. L'attaque dans le groupe de tête. Oh, fait ça. Faut m'y suivre. Il faut que j'y aille. Allez, doucement. Avec Contador qui remonte. Pourquoi je sens qu'il va attaquer de suite. On va faire pause. Voilà. On va faire état des lieux. Contador est là. Valverde, Froome, Fuglsang, Gesink, Evans, Pinot, bien sûr. Là derrière, il y a Nieve. Brajkovic, Caruso, Mollema, Majka, Kreuziger lâché, Wiggins. Il y a Roland qui est lâché, Andy Schleck. Je crois que c'est Frank Schleck qui est lâché là. Andy Schleck est lâché. C'est Frank Schleck qui est là-bas. Roche, Talensky. Il y a des bons rouleurs, hein. Il y a des bons coureurs. Il y a vraiment des bons coureurs qui sont lâchés. Cunego, bon, ça c'est pas. C'est une logique, hein, il se fait vieux maintenant. Kwiatkowski, Vélitz, Genèse est là. Bon, bon, bon. Allez, on se repositionne. Le show va commencer. C'est parti. Allez, Contador attaque, je le savais. Il y a Frank Schleck qui est là. On Allez, accélère je le maintenant suis. devant. Tant pis, je le suis. Je sens que j'ai les jambes aujourd'hui, il faut que je le suive. C'est comme ça qu'il faut remonter au classement. Il faut les suivre. Et pourquoi pas. Quitte à gagner au sprint, je m'en fous, je veux gagner l'étape. Cadel Evans, Contador, Frank Schleck, Valverde. Où on a fait un trou? Il n'y en a qu'on pas suivi. On n'est plus que 6. Contador attaque. Je vais peut-être pas aller le chercher de suite. Il y a Froome qui va. Allez, on y va, on y va, on y va. On y va. Valverde, Frank Schleck, Kuenz, Valverde aussi. On n'est plus que 3. Voilà, Contador va repartir. Ah, je peux plus trop attaquer, moi. Je suis dans le rouge presque. Oh là là. Bon, les deux sont partis là. Ça va être dur de les reprendre. Oh, Froome, il est pas super bien. Regardez, Dandine et Dandine. Allez, il y a moyen de revenir sur eux. Allez, go. Je suis encore dans le rouge. J'ai bien utilisé mon gel énergétique. Allez, c'est le moment de revenir là.
Je vais basculer avec eux. Je vais basculer en descente avec eux. Il reste 4 km. Un peu moins. Yeah. On a repris Ejdal. Joaquin Rodriguez est devant. C'est bon, je les ai rattrapés. Maintenant, on roule. Schleck, Valverde lâché. Van Garderen aussi. Ils ne sont plus beaucoup à suivre l'allure infernale. Encore Allez, 15 allez, kilomètres à parcourir. Encore une énormément attaque, moyen de faire une grosse différence aujourd'hui. Moi, j'ai plus de force, je peux plus attaquer là. Je vois que ma barre rouge elle est au minimum. Là, il faut que je suive là. On arrive au sommet là. Il faut suivre et basculer tous les trois ensemble. Et après là, il faudra tout donner en descente. Il reste 14 km. Si on finit à 3 ou à 4, il y a des chances que j'aille chercher la victoire. En tout cas, je suis content. J'ai bien réussi à suivre. Oula, ils sont lâchés. Evans, tout ça là. Il y aura des gros écarts. Allez, c'est parti. C'est la descente. Il faut rouler maintenant. Pas avoir peur de rouler. On va faire des dégâts maintenant. Rodriguez ne reviendra pas. Ça va se jouer entre nous trois. Evans lâché. 10 km. Il reste maintenant moins de 10 km à accomplir. 53 secondes sur Rodriguez. On a plus de 2 minutes sur les 3, là, Valverde et tout ça. Bah, je suis content. Je sais pas si je pouvais attaquer un peu avant, mais j'ai quand même réussi à suivre Froome et Contador. Je finis très bien le tour pour l'instant avec Thibaut Pinot. Voilà, tous les 3. Derrière, il y a Joaquin Rodriguez. Juste derrière, Schleck, Valverde et Vance. Encore plus loin, Fuglsang. Oula, il y a des écarts. Ejdal. Là, il y a Anton, Costa. Oh, Van Garderen, Martin. Geising. Et encore plus loin, il y a qui? Zubeldia, Brajkovic. Nieve, Kreuziger. Ah, ils ont du retard. Il y aura des dégâts dans tous les sens. Allez, 5 km. Encore 5 km à parcourir. On se concentre. Ma barre rouge remonte au fur et à mesure. Il va peut-être falloir attaquer au bon moment. Est-ce qu'ils vont me laisser gagner ou est-ce qu'ils vont jouer la gagne avec moi? Voilà, ça ralentit. Je vais attaquer maintenant. Voilà, je vais mettre de booster les pédales, on va attaquer, la flamme rouge est au fond, j'attaque, ils me suivent pas, le sprint final est lancé. Ça va, c'est bon, ils me suivent maintenant. Pas, je pourrais les gagner, oui c'est bon, ça roule pas derrière, je vais aller chercher ma victoire, enfin ma victoire d'étape, moi j'ai tout donné pour celle-là, c'est bon, ça ne revient pas, on va regarder un peu derrière, on va zoomer sur Thibaut Pinot. Non, derrière ça revient pas. C'est la victoire pour nous, les amis. Victoire de Thibaut Pinot. Ça va être génial. Ouais, on va faire une belle remontée au classement aussi. On a fait des gros dégâts aujourd'hui. Je suis super content. Enfin, au moins une victoire d'étape sur ce Tour de France. Et quel panache. Super. Waouh, c'est quoi la pause qui nous a pris la fin? C'est génial. On a gagné devant Contador et Froome. Et après, il y aura des gros dégâts. C'est énorme. Allez, on va revoir un peu. Il risque d'avoir des hors délai. Parce que les derniers sont encore en pleine montée là. Ah, je pense qu'il y aura des hors délai. J'ai bien peur pour William Bonnet. William Bonnet est très loin. Hein. À mon avis, dans les derniers. Bon, on peut. Ah, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Enfin, une victoire d'étape. Là, j'ai très très bien joué du début jusqu'à la fin. J'ai fait rouler mes coureurs au bon moment. Sans trop les cramer. Pour tester les adversaires. Thibaut Pinot n'a pas roulé. Rien du tout. Il était en forme. On a attaqué la dernière côte. Le dernier col. En forme. Et on a pu suivre Frank Schleck. Frank Schleck. Pu suivre Frank Schleck aussi un peu, mais surtout Froome et Contador. On a fait jeu égal avec eux. Et ça, c'est génial. Remporter une course, oui, succès débloqué. Ok. Maillot jaune, ah non, je n'ai pas succès débloqué. Porter un maillot jaune sur le Tour de France, c'est pas possible. Je n'ai pas possible, les amis. Je ne sais pas pourquoi il me dit succès déverrouillé, maillot jaune, mais je ne suis pas maillot jaune. Je suis assez loin d'ailleurs.
voir les podiums. Classement de l'étape, Thibaut Pinot. Et ça, ça fait plaisir. Ah, c'est super. Maillot jaune, Chris Froome. Toujours 4 minutes 50 sur Contador. Et le troisième est à 10 minutes. Ouf, Franck Schaeck, troisième, 10 minutes de retard, c'est un truc de fou. Mathieu Gosse, assuré d'avoir son maillot vert à la fin du tour, à mon avis. Maillot à poids, Chris Froome, qui repasse devant Contador. TJ Van Garderen. Et je suis troisième. Objectif réussi pour l'instant. Troisième au classement des meilleurs jeunes. Et le quatrième est à 22 minutes. Donc du coup, tout roule pour moi. Et Sky. Victoire de Pinot. Ouais, super. Achetez le journal. 95 centimes, disait. On a gagné. On est 18e au classement. Voilà. On a fait une super, super remonté, franchement. On était 30e, on est 18e maintenant. On a gagné 12 places en une étape. On est à 21 minutes au général. Bah, peu importe, c'est pas grave ça. C'est pas un très grave. Bah, du coup, on est à 5 minutes du 10e environ. Kreuziger, il y a eu des gros écarts de la journée. Voilà tous les coureurs qui sont lâchés, qui ont été obligés de contraindre l'abandon. Du moins disqualifiés parce que c'est hors délai. Mais tout ça a été hors délai, dont mon coureur William Bonnet, bien entendu. Demain, on sera 7 dans l'équipe FDJ. Voilà, je suis 18e. Je suis super content. 15 minutes, le 10e. 21 minutes, moi. Voilà, je suis pas très loin. Ça va être très dur. On va tout faire demain, encore une fois. Une grosse étape qui arrive à Annecy-Semnoz. Ça va faire très mal. Voilà, voilà. Bah, que dire de plus, amis? Je suis super content, super heureux de cette victoire. Et on va retenter ça demain. Et si j'ai les jambes de feu comme ça avec Thibaut Pinot, je pense que je peux encore tenter quelque chose. Il y a de quoi faire encore demain avec le hors catégorie à la fin qui est assez phénoménal. Vous allez voir ça, c'est un truc de fou. Le Semnoz. Voilà. Allez, à bientôt les amis. À demain. Ciao tout le monde.